Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Warhammer 3. Et dans cette bataille, on est avec Katox, toujours celui Katox. Salut. Et on va se lancer dans la bataille contre Tlaka, qui tentait une sortie plus ou moins désespérée, je pense. On est blindé de magie. Nos unités ont un petit peu souffert, mais on va utiliser les zombies pour essayer d'éclairer un petit peu la forêt et absorber. Katox est venu de notre côté. Donc il a les unités un peu de choc pour essayer de charger ou de péter les lignes. Les horreurs des creeps sont pas en super état, donc je pense qu'elles vont pas pouvoir tenir un combat au corps à corps frontal, donc ça va être contournement. A mon avis c'est les volants qui vont être les plus chiants, mais on a quand même deux unités d'arbalétrier dans cette armée, qui sont relativement expérimentées en plus. Il va falloir les utiliser avec parcimonie. On va voir. Déjà, est-ce qu'on voit des trucs? Ah oui, il s'est mis d'accord, de manière assez particulière, admettons. Alors ici on a du monteur avec des bolas à pyrosensu et ici des bolas à pyrosensu. Ok, bon, c'est parti, les zombies. Faut courir les gars. Je vais vérifier si on peut vraiment soigner les héros. Parce qu'ils ont pas l'air d'avoir de jauge minimum de vie. Alors les arbalétriers, l'objectif ça va être de dépiauter les volants. Ouais, ça les soigne vraiment hein. Donc ceux-là on peut les soigner. Intéressant. Tiens, toi tu voles, tu vas pouvoir aller t'occuper de ça, ici. On va les dépoter un coup. Des skinks caméléons. Seigneur, il se prend des petits coups, mais rien de fondamental. Ok, ici c'est géré, là on le chope. Les petits zombies font courir les skinks, c'est parfait, toi t'es en train de faire le taf. Le seigneur il reste bien derrière, on peut pas encore lui lancer nos sortilèges là. Ok, ça sent bien. Allez, la ligne de front, hein. Il est temps de se bouger. Nos zombies, ils se sont fait annihiler, ce qui était plus ou moins l'objectif. Eux, ils se reforment, on les défonce. Toi, t'en es où? Parfait. Reviens par là. Balance donc un petit buveur d'esprit sur notre copain là. Oui, souffre. Tiens bah. Un héros volant. C'est pour toi mon gars. Avance-toi.
va essayer de les contourner ceux-là. Là on le chope. Ah oui, on a au corps à corps donc on peut pas lancer de buveur d'esprit, c'est bien dommage. Ah non, on n'a pas du vent de magie, un peu faiblard, c'est quoi ce truc? Un monteur de pteranon qui se reforme, voyez-vous ça? Find your targets! Everywhere is death. All will wither. Yes, awake, minions. Même les zombies arrivent à rattraper les skinks, quoi. Ça, c'est pas la classe. Ok, ça c'est en déroute finale. Ah, là il y a le petit Bastylodon. C'est leur seigneur hein, qui résiste encore. Ça c'est du skink, ouais. Je pense que les avoir des creeps peuvent gagner contre des skinks. Ok. Une petite victoire. Merci Katox pour le coup de main. Pas de soucis. On a perdu des zombies. Ça va, c'est acceptable. C'est vrai que la charrette macabre, elle s'est auto-soignée full life, tout en soutenant ses copains. C'est dommage qu'il n'y ait pas le nombre d'unités soignées ou ressuscitées sur la charrette, quoi. Bon, bah, je crois que Tlaka est ouverte là. Hein. Oh, Vlad, coucou Vlad, tu veux un accès militaire? En quel honneur, t'es où? Qu'on se remette un peu dans le bon sens. La Sylvanie. Ah, mais en fait, t'es vachement avancé. Un accès militaire, mais non. Non, j'ai pas d'intérêt à te faire un accès militaire avec toi. Pour l'instant en tout cas. Alors, les ultimes défenseurs, ils ont fait venir un Slan. Pourquoi pas. Si ça les amuse. Ah, et donc, ça enchaîne Itza là. Bah, il me fait l'assaut sur une connerie que je viens d'avoir, attends. Scandale! Oh, y'a un mec qui a essayé d'assassiner Quack le canard. C'est pas très très gentil ça.
Allez, 3700 balles pour la prise de cette ville. Compteur de corps, ça c'est du titre. A souffert de lourdes pertes au cours de plusieurs batailles, plus 5% de points de vie. Plus 1 de commandement contre les comptes vampires. Bah écoute, on va avec. Toi là, tu peux prendre cette petite amulette. Oui, toujours servir. Alors, au niveau des niveaux, n'est-ce pas, comme on dit. Quoique le canard, il a résisté à... Ah, une tentative d'assassinat, du coup il a gagné de l'XP. L'entretien, on prend. Oh putain, Vostus Pfaffbach. Ça c'est un nom. Ça c'est un nom où on termine par. À tes souhaits. Ça s'écrit VHO. Alors déjà ça commence bien. STUS PFA2FB ACH. Le petit enchaînement de. De consonne qui fait plaisir. Alors Chobiti, si t'allais assassiner des gens, 71% de chance, ça me paraît correct comme pourcentage. Succès total, bim. C'est pas personnel hein, Arcane, hein, t'inquiète pas. Alors avec ces sous, je pense qu'on doit pouvoir, voilà, on doit pouvoir aller là. Ici il nous reste encore 5 tours. On va aller chercher des bâtiments genre ça ou l'armurerie. On va essayer d'aller chercher ces deux-là. Là. Peut-être une crypte vampire. Peut-être. Mais bon, les rois revenants et les banshees, ça ferait quand même un ajout intéressant. Ah, on commence à avoir de la corruption de Tsinch, tiens. Et ça, il n'y a pas longtemps, c'était encore. Ça appartenait encore à Tlaka. Hein. Donc, il y a de l'armée qui traîne. Un problème. Ouais. Il y a de l'armée qui traîne dans le coin. Bon, et ici la corruption vampirique, sérieux quoi. Moins 14, bordel. Oh, massif de granit, il est en train de construire des trucs. Bah, va falloir qu'on avance, hein. On va sortir. On va se foutre en raid, quitte à raider notre propre province toute pourrie avec rien dedans. Et on va marcher sur Lamia. Lamia qui est quand même énervée hein. 20 unités de garnison plus une armée de 20 pour la défendre. Il est un peu vénère. Krogar, je pense qu'au prochain tour il va reprendre ça, mais c'est pas très grave, hein. On n'a rien d'intéressant à l'intérieur. Ici, on a nos vermines de choc avec Albarn, et ça c'est classe. On va pouvoir commencer à raider notre ami Arcane. Pour le plaisir. Tu penses que si je lui bute ses héros et que je lui raid ses territoires, il va commencer à penser que peut-être... Je pense qu'il va comprendre le message sous-jacent. Tu penses hein. Bon, en même temps, c'est le grand désert d'Arabie que je raid, alors ça me rapporte 80 balles quoi. Mais bon. Endroit stratégique pour qui ça? Pour la Bretonique. Oh, un chevalier de Sinop, bah il vient d'où? Ça veut dire qu'elle a des territoires par là? Ça
I will hear your plea only because I must. Be swift. Non, on dirait pas pourtant. Intéressant. Justice balade, le chevalier de Sinope se balade sur la map, ok. Oh là là, mais alors Sartosa a réussi à repousser Skrir, mais j'y croyais pas quoi. Impressionnant, il va peut-être s'avérer utile comme allié. Ignore my crew, they are hungry. I usually sail with living ones, but father commands. Ça va peut-être être intéressant de faire un poste avancé. Ah mais il y a déjà un poste avancé Khemri. Ah mais non, mais de toute façon non, je suis con, c'est vrai que maintenant que je vais attaquer Arcane, ils vont pas m'aimer. On se tire à vraiment fait de la merde. Alors, je pense qu'on peut utiliser ce terme. Allez, on passe le tour. On va voir un petit peu ce qu'on nous propose. Ah, je m'y attendais. Ah, toi qui te fais assauter cette fois. Ouais, mais c'est sur des villes que je viens de reprendre, mais par l'autre là, qui rôdait sur le fond du... sur le en arrière-plan depuis des plombes. En plus, Théonwyn, enfin bref. Si, si, je vais même pas la tenter, c'est vrai. Ouais, des fois, vaut mieux laisser tomber. Hein. J'ai pas encore réussi à me débarrasser de la corruption de Khorne, de quoi. C'est terrible. Hein. Enfin, du chaos en l'occurrence qu'il avait amené. Mais... La corruption Skaven, elle reste bien implantée. Hein. Bon, il y a mon chat qui veut. Voir un petit peu ce qui se passe, je crois. En même temps, j'ai tellement de territoire que j'ai pas assez d'argent pour investir, hein. C'est chiant. Ah, les chevaliers lyonnais ont été détruits. Oh, la galère. Oh, les errants de bord de l'eau, mes copains. Alors... Très bonne campagne avec eux, hein. Honnêtement, je me suis bien amusé. Ça a beaucoup plu. Oh, on dirait qu'il s'est replié l'autre là. Il a abandonné sa cité. Bah écoute, on va te la raser. Si c'est comme ça. Alors par contre, il y aura des hordes sauvages qui apparaissent. Ils sont où? Ils sont là. C'est eux, hein. Tribu de première horde. Ok. Bah écoutez. Coucou les gars. Allez, on lance le siège avec Manfred. On va entourer. Vu qu'en plus on a un niveau, je vois. Niveau 31, l'ami Manfred, c'est pas mal. Oh bah ça va, tu te laisses pas démonter. Bah si, si. Ah. Là, t'as... Si, si, c'était une tentative pour passer, mais je peux pas passer, je vais faire le grand tour. Ah. J'ai trois armées aux portes de la ville que je viens de prendre. Et c'est ma seule armée valable. Bon. Ah. C'est problématique, quoi. Ah, plutôt, ouais. Ah, cet assaut, quoi. J'avais une seule armée, c'était une victoire à la Pyrrhus. J'amène une deuxième armée, c'est une victoire à la Pyrrhus. Ah, du coup, ce sera une victoire à la Pyrrhus. Hein. Et puis c'est tout. Oh, 7300 balles en la pillant, c'est bon ça. Ah là, et là, ils se sont bien fait raser. Alors, est-ce que ça vaut le coup de garder... Alors déjà, les bâtiments de recrutement. Ça non. Ça non. Si je les garde, ça sera dans du mineur. Et là, on est aux portes de Morse. Ils sont où déjà, les livres? Capturer Karakakazak, ouais. On passera sans doute pas par là, ça restera au clan Morse. Donc on va sans doute se débarrasser de ce bâtiment là aussi, ça par contre on garde. Il va nous falloir des murs, vu que ça va être une frontière. Ici aussi il va nous falloir des murs.
Le marais du destin. Pour l'instant c'est safe, mais on va pas. Ah, ils nous considèrent comme une menace, les orques. Bah écoutez, venez nous tomber dessus. Ce sera avec plaisir. Est-ce que je me refais avec ça? Oui. Ça y est, on a un petit peu de corruption empirique, ça c'est bon ça. Ça va nous permettre de nous reformer. On va s'éloigner un peu. On va commencer à travailler la corruption avec Manfred. Et toi, on va travailler sur l'autorité. Quoique le canard, il va reconstituer les troupes. T'as deux niveaux, quoique. Parfait, tu prends ça. Gael'dead. Bon, il reste cette armée là qu'il va falloir éliminer, mais elle a plus grand... beaucoup d'endroits où aller. Donc là du coup, il ne peut plus recruter aucune unité efficace. Peut-être ici il a un voire deux bâtiments, mais ça va pas être fou. Donc on a réussi notre objectif. Faire en sorte de le mettre un petit peu dans le mal. Ensuite, pustule premier. Si je te mets en marche normale, ouais, tu peux pas aller suffisamment loin, pas en embuscade, non. En raid. On va donc avancer en raid dans le territoire. On va se rapprocher de lui. Chobiti, 21% de chance. Ah oui, parce que t'as ton malus. Ah ouais. Elle a son malus vu qu'elle a réussi à assassiner au tour d'avant. Bon. Tant pis. Tant pis, tant pis. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'intéressant dans cette armée ? Je pourrais pas faire une petite mission là. Clan mort, c'est une mission. Voilà, vaincre l'armée de ces gens-là là. Ça me rapporterait 16 points ça. On accepte. Et toi, pour l'instant, rien de fifou. Toujours pas d'accord de non-agression, de pacte de non-agression, toi ? Tant pis pour toi. Kéros, le tisseur de destin. Il est là. Coucou. Coucou. Bon. Du coup, il a poutré Tlaka. Non, il reste encore des trucs qui traînent. Everything dies. Et là, dans cette province-là... Ah oui, on a ça, là. On va y aller, tiens. S'il décide de la ruiner et de nous la laisser, on la prend. Oh merde, il faut de la thune. Est-ce qu'on a des gens à même de raser quelque chose ? De faire de la thune. Bah non, c'est ça qu'on va faire. Ça on le fait pas. Et du coup on a 4000 balles à investir. Parfait. T'as trouvé un moyen de gérer ton armée hein? Prier. Ah. Voilà. C'est effectivement problématique. Eh bah écoute...
Je te laisse prier alors. Ah, ici on a réussi à faire quelque chose. On va peut-être prendre le boost de croissance. C'est parti. Alors, qu'est-ce que tu veux, Tsinch? Tu me déclares la guerre? Ah oui, direct. Très bien. Je vois. T'avais rien de mieux à faire. Bah écoute. Une occupation pour notre ami Daedino. Hein. Ah, et du coup, les fantômes de Pavax aussi me déclarent la guerre. Ah, ça va, c'est la teuf. C'est dingue ça. On avait quasiment sécurisé le flanc sud et les mecs ils s'invitent quoi. Quasiment. Ça, bon, allez. Ah, un assaut. Oh, il y a peut-être moyen. Allez, merci la map. Par contre, combien d'archers? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bon, ça va, c'est la Bretonie, c'est pas les archers les plus forts, quoi. Non, c'est quand même, c'est parfois lié à ses armées, elle fume un peu. Ah, ouais, il a zéro infanterie, quoi. Dans sa première armée. Mais après, c'est vrai que c'est pertinent, hein. Je l'ai vu en jouant la Bretonie, quelques paysans que t'envoies devant pour se faire laminer pendant que tes archers derrière ils défoncent et que ta cavalerie elle découpe, c'est une stratégie tout à fait viable, hein. Allez, tu m'as pas mal aidé, donc je vais te rejoindre. On va pas te laisser te débrouiller. Enfin, en tout cas, je vais pas jouer contre toi. Le problème de la Bretonie, c'est qu'ils ont énormément de renforts aussi. Les troupailles là, elles viennent en nombre. Ah oui, elle est pas mal la map, j'avoue. Je l'aime bien. En plus, tu peux vraiment te déployer dans le goulot, quoi. Ouais, je peux vraiment faire comme Atmé. Bon, après, le problème, c'est qu'il va être mieux équipé que toi pour tirer par-dessus. T'es tireur et tireur en ligne droite, donc ça va être tendu, mais. Oui, mais j'ai de l'artillerie. T'as ton artillerie, ouais, c'est clair que là... J'ai juste pas mon héros qui augmente la quantité de poudre, parce que je l'avais sorti pour dézinguer un héros juste avant, quoi. Bah c'est vrai, bien dommage, parce que là... En plus, je pensais que c'était des rochers, mais non, c'est... Ouais, donc ça veut dire que les tireurs que tu mettras sur les côtés pas accessibles, ils pourront tirer sur les unités qui s'approchent, donc ouais, ça va être sympathique. Et si tu retiens ton artillerie pour attendre que ça soit bien engagé, bien dans la mêlée, qu'il y ait un gros tas, ça fait large quand même à défendre, ça fait large, mais ça peut le faire. Tu me dis si tu veux que je gère des trucs, hein. Je organise et puis je réfléchis ce que je te donne. J'avais jamais vu cette map, elle est intéressante. Ben, moi non plus. Franchement, que ce soit défensivement, en attaque, il y a un petit peu de relief à l'arrière. Il y a du bon gros marais, mais on peut atteindre les petites îles, on dirait, pour se placer des unités dedans et être bien placé pour défendre. Non, j'avoue. Bon, par contre, c'est vrai que ton armée. Tu venais de prendre la ville, non? Elle a subi de l'attrition, et ouais, je venais de prendre la ville. Ouais, ça se sent qu'elle a un petit peu souffert. Ouais. En vérité, j'ai pas grand chose à faire, si ce n'est à attendre. Oui, non, mais c'est pour ça, moi je peux rester spectateur, hein, ça me dérange pas. Hein. Oh, regarde où je peux placer l'artillerie pour faire joli. Ah, pas mal. J'avoue. En plus, avec la portée. Ça mettre en attente celle-là. Ce que j'adore, c'est le nombre de zombies qu'il y a pour opérer la reine baisse, quoi. Ah ouais. D'habitude, t'as 3-4 mecs par. Par Thierry, mais là t'en as partout quoi. Oh, à l'arrière de la reine Beth, en hauteur, là il y a un zombie avec la tête à l'envers qui pendouille quoi. C'est dégueulasse. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça commence déjà avec des shots de magie et tout là. Ah bah ouais, c'est de la demoiselle en face. Hein. Il a deux seigneurs sur Pégase. La demoiselle sur Pégase. Par contre,
T'es ton artillerie qui tire sur les volants, je suis pas sûr que ce soit idéal, mais. Ouais, ils sont très loin d'avoir la portée, les paysans. L'artillerie est toujours dévastatrice sur les cavaliers, hein. Ça change pas. Ah, ça va, s'il utilise ses sorts sur tes boucaniers, c'est chiant, mais ça reste acceptable, quoi. Le petit boucanier qui a été envoyé dans la flotte, il est coincé dans l'eau. Il a tiré les sorts. La Bretonie a quand même quelques sorts pas dégueulasses, hein. Oui, la reine baisse sur les trébuchets là, c'est bien joué. Ils se font cramer la tronche. Comment ça, double renfort? Il y avait deux armées en renfort. Ouh, il a un seigneur sur Hippogriffe. Ah, ça va piquer le cul, ça, par contre. Ah, c'est, bah oui, c'est Albéric. Si, c'est... Bah oui, c'est Albéric. Non, c'est pas. Si, si, ah oui, c'est Albéric qui s'est ramené. C'est Albéric. Bonjour Albéric. Coucou Condi. Niveau 23, ouais, ça va piquer un peu là. Ah, il est à portée de tir. Ah oui, parce que t'as avancé des boucaniers pour la tirer un peu, ou... Des boucaniers invoqués. Ah. En gros. Ils sont là pour absorber les flèches, quoi. Précisément. Les trébuchets de terrain, ils résistent, hein. Faut avouer. Ouh, j'ai bien vu le petit artillerie sur les trébuchets. Oh, je suis un peu déçu. Voilà, là ça fait plus quelque chose. Ok, les trébuchets sont en déroute, il est en train de reculer, il va laisser la place à ses... ces unités de corps à corps. Oh, le monde qui arrive derrière, j'avoue. Il y a de la milice des franches compagnies. Ok, il doit être allié avec un impérial. Oh, le gros tas de cavaliers bien serré là. Et il y a quelque chose qui tire dedans, c'est quoi? Des mortiers. Raté, dommage. Ouais, une fois de plus, je pense que l'un des vrais problèmes, ça va être ses héros. Ouais. C'est vrai qu'il a quand même de la troupe. Là, t'es mi-munitions. Là, il y a un Necroflex qui est full munitions, qui a pas tiré du tout. Intéressant. Alors là, c'est des munitions proches. Le colosse des potences à droite, là. Ouais, c'est... Ah oui, c'est un lance-flamme, hein. D'accord. Plutôt que de tirer des salves de boulets de canon, il déverse des vagues de flammes sur ses ennemis. J'avoue, 933 de puissance des tirs. Et 88 de munitions. T'as une toute petite jauge jaune et une énorme jauge verte de bonus, quoi. Ça, c'est bien les... C'est bien les codes vampires, tiens. Je peux virer l'interface, du coup. Tu me dis si tu me donnes des unités, mais pour l'instant je cache l'interface. Oh oui, il est tellement tas. Oh, la violence. Ça va. Et c'est vrai que c'est le problème de la Bretonie, hein, c'est que même ces unités top de infanterie avec halbarde, ça reste du pécor tier 2, tout bidon. Le problème c'est qu'il y a Albéric sur le champ de bataille, donc ils ont quand même un sacré moral. Qui est en train de me sniper toutes mes unités une par une, accessoire à la con. Ouais, bah au bout d'un moment il va cramer sa magie, hein. J'espère bien. Et le taunt, hein. Ah, ça commence. Bon, cela dit, hein, les boucaniers pirates, de toute façon, vu le nombre en face, je pense que tu t'attendais pas à ce qu'ils fassent grand chose. Ils étaient là pour absorber.
Tu devrais pas avancer un ça. Petit chouï ta ligne pour qu'ils combattent dans la. dans la boue là. Non, y a pas de malus, non, on dirait que c'est pas considéré comme un gay, y a pas de malus. Et lui revient ici. Je me disais pourquoi il avance ton colosse. Oh, il y a la charge de Léon d'Or te garde. Je sais pas ce qu'il fait. Ouais, il crame sa magie quand même sur, sur tes trucs invoqués, c'est cool. Ah, il y a Albéric qui y va. Ah, c'est impressionnant quand même une armée bretonienne en mouvement. Hein. C'est pas aussi nombreux que les Skaven, mais il y a quand même du potentiel. Hein. Ah la vache, les deux héros sur, sur Noctilus. Heureusement, il y a du garde des profondeurs. C'est pas con, hein, il a neutralisé tes colosses au moment où ils étaient bien dans le goulet et où tu pouvais vraiment faire le plus mal. Il y en a un qui est mort, ah, il est là, Pierre l'amoureux, Léon d'Or il est quasiment fini, Albéric il souffre, ce qui est plutôt pas mal. Le géant des potences, ça y est, il se met en action. Oh putain la vache, il fait tellement mal. Regardez jusqu'à la fin. Oh la vache, la violence. Oh cet insta des routes de l'enfer. Bon, Noctilus se fait snipe, mais il résiste. Allez, les petites flammes. Bon, il est long à tirer. Mais alors j'avoue, il fait le taf. Hein. Oh oui, le gros tas d'archers là, si t'arrives à les choper. Cours. Il a l'air de pas vouloir y aller, je sais pas pourquoi. Ah, il doit être ralenti par les petites saloperies au milieu du chemin. Oh, il a une portée à ce point là. Oh, le trou dans l'armée ennemie. Oh putain. C'est un truc. C'est un régiment de renom celui-là, hein, c'est ça? Oui, ouais, c'est pas une tech ou quelque chose du style. Non, 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 c'est. Oh, comment il vient de faire partir en déroute, mais toute l'armée ennemie à lui tout seul, quoi. T'as des gardes des profondeurs, ouais, qui font rien, voilà. À gauche. Eh, Albéric et Pierre Lamoureux, ils souffrent, hein. De rien. Oh, c'est une belle bataille, ce massacre bretonien. Bon, j'avoue que la map, elle était vraiment idéale. Hein. Vraiment idéale. Ah ouais, clairement. Hein. Mais alors le... Le géant des potences, je suis curieux de voir combien de kills il a fait, mais... ça va être un truc de fou, quoi. Oh la vache, la reine Bess, elle a plus de munitions. Non, elle a plus de munitions. Non. Ah, il avait même commencé à se déplacer pour attaquer au corps à corps, je vois. Ah bah, t'as pas ramené tes renforts, hein. Oui, j'aurais pu te les donner, c'est vrai. Ils auraient changé le... ils auraient changé la game, je pense. Bon, ça, les artilleurs, un petit coup de lance-flamme. Ils ont pas eu trop de chance, ils ont pas fait grand-chose. C'était pas leur map, pour le coup. Ah, j'avoue qu'il est pire que les... Encore que peut-être pas, mais que les lance-flammes de, des Skaven là. Pas même idée. Hein. Non, tout a été utilisé. Noctilus, il est encore un petit peu... Un petit coup d'huile sur le géant des potences. Vite fait. En fin de bataille, allez, voilà. Victoire héroïque. Héroïque, c'est bien joué, franchement. Ouais. Merci la map. Très belle bataille. Jeu des potences 717. Voilà, Reine Bess 618. Noctilus 129 à lui tout seul quand même, hein, beau score. Bah, les tireurs ils ont été vraiment très mauvais.
Les Ouais, ils se sont gardes. fait snipe avec toutes les. Regarde la Vivienne Morian, la lanceuse de Ouais, sorts avec 116. sans cesse ses propres, ouais. C'est la seule qui a fait du gros dégât parce qu'elle visait toutes mes gardes de profondeur non-stop. Les gardes des profondeurs, ils ont fait le taf face aux héros, hein. Faut avouer. Il y en a, on voit bien celui à 75 qui est le seul à être resté devant pour empêcher le débordement. Les autres, ils ont été Ouais. tapés sur Albéric et les paladins. Ah, franchement, j'avoue, belle bataille là. Bien L'armée joué. reconstituée, fait du bien. Toi, tu veux quoi? Tu veux me déclarer la guerre? Mais vas-y, déclare-moi la guerre. Comme ça, tu dureras pas. Ah, ils m'attaquent. Mais ils sont où mes renforts? J'ai pas de renforts, très bien. Ah, c'est parce que je l'ai intercepté en souterrain, d'accord, ok. Alors attends, est-ce que ça vaut le coup du coup? Victoire décisive, on perd quand même pas mal de monde. Ouais, bah ça se reconstitue. Pour en finir direct avec eux, je pense que ça vaut le coup. Alors, Kairos nous assiège. D'accord. Ah, là on a perdu notre poste allié avancé, zut. Ça c'est dommage. Alors, je vais remettre la map comme il faut et on va arrêter l'épisode là. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, à nous dire ce que vous en avez pensé, à donner des noms hein, si vous voulez rejoindre l'aventure. On a pas mal de nécromanciens notamment à renommer. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde! Salut. Thank you.